Qui a décidé de réintroduire des ours femelles? Oh. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est gagné. Bravo. Merci. Elle a pas eu besoin d'aller regarder sur Internet. On nous avait dit qu'il les harcelait, mais de là à introduire des ours femelles. C'est salaud. Et c'est bête d'avoir les ours le jour du Viagra. J'ai pas osé la faire. Le survivant, c'est Canelito. Hein. C'est l'ours qui... C'est le bébé de Canel. Canel, elle a été tuée. Oui, pauvre Canel. Elle a été tuée par un chasseur, Canel. Mais son petit Canelito, il est toujours là. Et Nicolas Hulot a décidé de passer à l'offensive et de réintroduire des ours femelles. En tout cas, il y en a un qui va tirer cette fois-ci, c'est Canelito. Pourquoi ? Avec deux femelles. Ah, Canelito, bah oui. Il va se régaler. Ah, bah il est là, le Canelito, il attend le pauvre ours. Et c'est pour ça qu'on va lui mettre des ours femelles. Parce que... Pour qu'il s'agisse le Caneloni. Non mais monsieur Bénichou, vous-même, c'est vrai que vous êtes un peu ours. Alors je ne comprends pas que vous n'ayez pas de tendresse pour vos congénères. Oui, j'ai de la tendresse, mais enfin quand même du ciel... Alors, leur mettre des femelles, enfin, c'est quand même honteux. Bah, si on leur met pas de femelles, ça y est, après, ils s'arrêtent. Hein. Ouais. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous n'êtes pas capable de faire des bébés sans nous, quand même. Il n'y a pas de GPA pour les ours. Moi, je ne peux pas faire des bébés sans ours, moi. Sans une femelle. Ah, une femelle, oui, mais pas une femelle ours. Vous croyez qu'il y a des ours gays ? Ah, voilà, des ours c'est vrai que voilà une question métaphysique. Non, mais non, puisqu'il n'y a pas de femelle, t'imagines que les ours dans les Pyrénées, tu vois, il ne fait pas pom 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 pom. Mais Laurent, je vous signale qu'il est seul pour l'instant. Il y a quelqu'un, quelqu'un. Mais du bon miel. Non, c'est pas vrai, il y a deux mâles, il y a Néré aussi. Il y a des ours gays, hein. Winnie l'ourson. Un ourson qui s'appelle Winnie, excusez-moi, mais enfin bon. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé. Mais ils savent même pas, ils font ils sont prêts à s'excuser. Ah oui ? Ils sont honteux, sont des ours honteuses ? Ah bah oui. Et honteuses. Ah bah oui, attendez. L'ourson, il se tape l'âne qui a pas de queue. Hein. Et bourriquet. Et porciner, et bourriquet, les yeux des mecs. Hein. Et rappelez-vous, bonne nuit les petits, Nounours qui était pédophile. Ah oui. Tous les soirs, il laisse taper Pimprenelle et Nicolas. Tu crois? Oh, il leur jetait du sable dans les yeux pour pas qu'ils voient qui c'était. C'était pas du sable, c'était du GHB. Du GHB. Non mais quand même, il y a deux ours mâles dans les Pyrénées, c'est bien obligé qu'à un moment donné, les deux pauvres ours, qu'est-ce que vous feriez? Évidemment. Qu'est-ce que vous feriez à leur place? On s'enfile à la nuit tombée. Voilà. Il y a un ours, il est là, il voit l'autre ours, il va pas dire ah tiens, on se revoit, tu m'envoies un miel. Tout ça pour arriver là. Ah, ça c'est très bon. C'est un grand malade. Il y a des ours en Belgique, monsieur Gueluc? Pas à ma connaissance. Non. Non, il y a des ours. Il y a des ours avec, des ours sans. Les ours se suivent, mais ne se ressemblent pas. On a 365 ours par an. Sauf les années bisextiles. Mais j'ai honte, monsieur Gueluc. Oui, mais enfin, vous posez ces questions. Est-ce qu'il y a des ours en Belgique? Là, on sent vraiment l'animateur qui, pour enchaîner, il ne sait pas quoi dire. Il y a des mots. Vous auriez pu dire, à part ça, ça va? Ouais, ça va. Sur deux ours gays, vous croyez forcément qu'il y a un ours mal léché? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Une bonne question. Carole, vous partez dans un village VVF et on vous embrasse. En tout cas, bravo pour vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Carole. Elle nous a connus.